Bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, je vais vous faire ma routine matinale. La routine qui, selon moi, me donne le plus de pep le matin, qui me permet d'être productive, d'être zen également durant la journée. Puis naturellement, je me réveille entre 6 et 8 heures, sans cadran. Fait qu'à moins que j'aie un engagement professionnel ou vraiment quelque chose comme un cours de yoga donné vraiment tôt le matin, je vais mettre un cadran. Mais sinon, je me réveille par moi-même. On a des stores, comme vous voyez, mais ils laissent beaucoup passer la lumière. Donc, aussitôt je m'ouvre les yeux, malheureusement, j'ai pas le choix, je me lève parce qu'il fait très clair dans la chambre. Puis ça m'encourage à me lever le matin et à pas rester dans la chambre à l'infini. Donc, sans plus attendre, on va aller dans la salle de bain pour commencer ma routine du matin. La première étape de ma routine matinale, c'est mon tongue scraping. Je nettoie ma langue, en fait, avec ce petit outil qui est dans ce sac. C'est de la marque Dr. Tongue. Je vais tout laisser dans la barre d'infos. C'est pas vraiment chic à montrer dans une vidéo, mais je vais quand même le faire pour les biens de la cause. C'est une pratique que j'ai découvert en Inde. Ça provient de l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle en Inde. Et ça permet d'enlever justement toutes les saletés sur la langue. Puis moi, personnellement, j'aime pas brosser mes dents avant de boire mon matcha parce que ça change le goût avec la pâte à dents et tout ça. Fait que je fais juste mon tongue scraping le matin pour enlever les impuretés sur ma langue. Puis plus tard, après mon déjeuner, je brosse mes dents pour vrai. J'ai vraiment pas envie de vous montrer parce que c'est tellement chic. Mais pour les biens de la cause, je vais vous montrer. Fait que je le rince un peu pour commencer. En Inde, typiquement, ils sont en cuivre, mais celui-là est en acier inoxydable, fait qu'il reste bon super longtemps. Simplement tenir les petites poignées comme ça, ouvrir la bouche, tirer la langue. C'est vraiment pas cute, mais en fait, je fais 10-15 passages en me regardant dans le miroir, puis je peux faire une petite affirmation positive pour bien commencer ma journée. Une fois qu'il est bien nettoyé, je le redépose dans le petit emballage. Et je commence ma routine de soins de la peau. Donc, je vais mettre mon petit bandeau juste pour dégager mes cheveux. Une fois que j'ai mis mon bandeau, je commence ma routine. C'est 3 étapes super simples. J'utilise un nettoyant de la marque Proactive. J'ai vraiment une peau à tendance acnéique. Donc, je fais ma routine religieusement matin et soir pour m'aider à ne pas avoir d'acné. Ça, c'est le gommage exfoliant. En fait, gommage adoucissant pour la peau, mais je dis exfoliant parce qu'il y a des microbilles dedans qui permettent de déloger les impuretés. Il y a 2 ingrédients super actifs là-dedans qui aident à traiter et prévenir l'acné. Fait que là, celui-là, je l'ai fini. Puis là, j'en pars un nouveau aujourd'hui. Ça tombe bien pour la routine matinale. Fait que je vais venir masser mon visage avec. Puis je fais des petits mouvements circulaires. Depuis que j'utilise cette gamme-là, j'ai vraiment vu une belle différence sur ma peau. T'sais, si tu n'as jamais fait de l'acné, peut-être que c'est plus difficile à comprendre le feeling de te lever le matin et de ne pas avoir de boutons. T'sais, d'habitude, je suis tout le temps comme « bon, ben, je vais avoir un nouveau bouton ce matin ». Heureusement, c'est plus le cas. OK. Donc, une fois que j'ai rincé le produit, j'utilise la 2e étape qui est le gel réducteur de pores. Je mets vraiment pas une grosse quantité, mais j'en applique pas mal partout sur le visage. Et une fois que la 2e étape est faite, je passe à ma 3e étape qui est hydrater avec l'hydratant sublimateur de thym qui contient de l'acide salicylique. Cet ingrédient-là, qui lui aussi va aider pour l'acné. Je fais tout le temps des mouvements vers le haut. J'avais déjà vu ça, que c'est bon. Puis parce qu'on est l'été, je veux vraiment protéger ma peau des rayons du soleil, donc je rajoute de la crème solaire. Je dirais que dans le début de ma vingtaine, j'ai abusé du soleil. Fait que là, j'essaie de faire en sorte que tous les dommages que j'ai causés à ma peau, c'est reverse, si on peut dire. Là, mes cheveux ce matin, c'est pas si pire. C'est sûr que ils sont un peu intenses. Fait que j'ai un petit spray comme ça avec juste de l'eau pour rafraîchir mes petites curls. Quand mes cheveux sont vraiment trop laids, je me fais juste une couette ou une toque. Je me bats même pas avec. Puis, si je trouve que mes pointes sont sèches, je rajoute une huile.
Fait que j'ai celle de Olaplex ou de Kérastase. Fait que j'en mets juste comme ça dans mes pointes. Puis ça sent super bon. Donc c'est pas mal ça pour ma routine cheveux et visage, mes soins de la peau. Je vais tout vous laisser en barre d'infos si vous questionnez sur un produit en question. Et on s'en va en bas pour mon petit matcha matinal. Ma technique pour le matcha est vraiment pas compliquée. Je mets tout dans le mousseur à lait, mon lait d'avoine, mon matcha et un peu de sirop d'érable pour donner un goût sucré. C'est vraiment une boisson que j'aime, qui me donne une belle énergie. Puis j'ai vraiment changé mon café matinal pour du matcha et ça fait une belle différence dans ma matinée. Ensuite de ça, je m'en vais boire mon matcha en faisant mon 5-minute journal, qui est un journal de gratitude. Je commence par inscrire la date d'aujourd'hui. Ensuite, je vais inscrire 3 choses, 3 personnes pour lesquelles je suis reconnaissante. 3 choses qui feraient en sorte que la journée soit exceptionnelle. Et une affirmation positive de la journée qui commence par « I am », donc « je suis ». Fait que ce petit journal de gratitude me permet vraiment de me mettre dans le moment présent le matin. Également, ça fait en sorte que je ne suis pas nécessairement sur mon cellulaire ou en train de regarder mes courriels. Ça me ground dans le moment présent. Puis la gratitude, je pense que c'est la meilleure chose pour commencer la journée. Après mon journal de gratitude et mon matcha matinal, je me fais un verre d'eau avec la chlorophylle dedans. Puis j'allais faire une méditation de 2 à 10 minutes. Des fois, il y a des matins où on dirait que mon esprit n'est pas capable de se settle, mais j'essaie quand même de l'intégrer dans ma routine. Puis il y a d'autres matins où c'est exceptionnel, puis je pourrais rester là pendant des heures tellement que je suis capable de faire le vide puis de me centrer sur le moment présent. Je commence toujours avec un cacherne. J'utilise soit celui de Clarins ou celui de NYX. Je mets un petit point dans le coin de mon œil, à l'intérieur et à l'extérieur, que je viens estomper soit avec un pinceau ou avec mon doigt. J'ai un vieux microblading qui rougit avec le temps. J'ai également le bronzer de Oula, aussi de Benefit, mon petit pinceau de Clarins. J'en mets sur mes joues comme ça, un peu dans mon front, sur mon nez, dans tous les endroits un peu plus haut qu'habituellement le soleil frapperait dessus. Puis juste un petit peu pour définir ma mâchoire, un peu sous le menton, dans le cou, pour égaliser. Donc voilà! Et je m'en vais me faire à déjeuner. Mon déjeuner ces temps-ci, c'est 2 œufs brouillés et des framboises. Donc c'est ça qui conclut ma routine matinale qui prend en moyenne 45-50 minutes le matin. Il y a mon chum qui part en 5 minutes, qui a juste à prendre un café et à brosser ses dents. Puis il y a moi qui fais 50 000 choses. Donc j'aimerais savoir si vous êtes plus comme mon chum ou comme moi le matin. Puis également, j'espère que vous avez apprécié. Puis peut-être que vous allez trouver des petits trucs à intégrer dans votre propre routine matinale. Donc bonne journée ou bonne soirée à tous. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.